Salut à tous, c'est NFX8, on se retrouve sur Fallout 4, sur Nuka World, et on est accompagné de magnifiques gorilles qui ont une tête un petit peu flippante, il faut avouer, mais du coup on va aller attaquer l'usine de duplication des gros reptiles méchants, et on va leur péter la gueule comme il faut. Parce que du coup, cette fameuse usine à duplication, c'est celle qui crée tous les monstres qui sont en fait dupliqués un après l'autre, et de plus en plus rapidement, ça serait juste là. Normalement c'est une maison en triangle derrière. Ah bah c'est ça. Théoriquement c'est ça. Ça m'a l'air d'être bien ça. Est-ce qu'on réussit à rentrer? Ah bah troll par dessus. Peut-être qu'il y a moyen de réussir à... Ah oui, puis du coup ici, non, ici en fait ce sera pour activer la bannière. Sauf que je peux pas encore le faire parce que c'est pas conquis. D'accord, pas de soucis. Pas de soucis. Est-ce qu'on tente une lancée? On tente, on se fait même pas mal, on est un vrai nous. On n'a pas peur. Et donc c'est à la maison. Bon bah écoute, moi je dis let's go. On va croiser le toit pour que ça aille. Grosse maison triangle. Sitôt jamais ouvert les portes. Pas de soucis, t'inquiète pas. On va leur faire mal. On a ce qu'il faut pour. En plus, ils sont défoncés les trucs, quoi. J'ai pas vraiment peur pour le moment. Même s'ils sont assez impressionnants physiquement, ils sont vraiment pas très résistants. Oh, c'est Mimi. Vas-y. On prend le fameux petit singe. Et juste pour le plaisir, boum. Qui sert à rien. Qui sert absolument à rien du tout. Faut que je fasse gaffe à pas lui tirer dessus, risque de pas apprécier. D'ailleurs, je pourrais peut-être sauvegarder, ce serait une bonne idée quand même. Voilà qui est fait. On ne sait jamais par sécurité, parce qu'on a vite fait de faire une bêtise. Et nous, on n'aime pas les bêtises, les champignons luminescents. Est-ce qu'on a des trucs à looter? Par exemple ça. Même si, à mon avis, il n'y a pas des masses de choses. Ça, c'est vachement bien, le ventilateur, tant que ça pèse très très lourd. Recette de Nuka Rush. Voilà. Oh, je prends. Je prends direct. Le Nuka Rush, on ne sait jamais. Prenez le centre d'accueil, ce qui est un truc tant soit peu intéressant. Mais bon, j'en doute. L'inventeur Safari accueillera à ce moment encore les groupes scolaires de notre parc. D'accord, on s'en contrefou. On est d'accord. Jusque là, tac, je vais faire un petit peu autour. Petit cadran, boîte à café, ça ne sert absolument à rien. Enfin, brochure. Plus fort que moi de prendre les brochures. Je sais que ça sert à rien, c'est pas grave. Je veux toutes les brochures. Un truc qui sert vraiment, mais que dalle. Niveau décoration, on a absolument que dalle. Ouais, effectivement, c'est totalement vide. Comment ça se fait d'ailleurs? Il y a absolument que dalle. Assez étrange. Alors, fouille les grandes maisons triangles, inspecteur de la porte, manifeste de la FAD. Écoute, je prends. Je sais pas ce que c'est. Terminal réserve au personnel. Alors, demande de rançon. What? Niveau de sécurité du site, statut du labo. Wouah, t'as des trucs bizarres là. Ça va essayer de faire de la manière gentille et vous n'avez pas joué dans les règles. Vous êtes même allé jusqu'à nous bannir de vos parcs. Mes chers monsieur, nous sommes dans un pays libre malgré ce que les gros bourgeois pouvaient bien penser. La FAD veut vous montrer que votre argent ne suffit pas pour acheter tout le contrôle que vous pensiez posséder. Nous retenons en otage votre scientifique le plus important, le docteur Hein, juste à l'endroit où vous pensez construire votre précieux anaconda. Ok, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, l'anaconda en colère. Prévenez la police si vous perdez votre emploi d'employé vedette. Faites de bon choix, monsieur Brotherton. Wouah, j'aime pas ça. Niveau de sécurité du site. Alors, opération classique, aucune mesure de sécurité, protocole de sécurité minimale. Et Grizzly, c'est fermeture totale du site. D'accord, donc c'est vraiment complètement fermé. Autant vous dire, rien de rassurant. Et ensuite, statut labo, code Grizzly. Bon bah voilà, on va croiser les doigts pour que ça aille. Bon bah écoutez, on y va. Même si... Ah zut, sauf depuis un terminal. Comment ça? Est-ce que je peux l'ouvrir depuis là? Non, puisque tout est fermé. Est-ce que je peux changer le niveau de sécurité? Est-ce que du coup, je peux... Non, je peux rien changer. Alors comment je fais pour l'ouvrir du coup? Terminal verrouillé. Brèche potentielle dans le système de sécurité. Code neutralisation valide requis. Il lui faut un code. D'accord, il veut un code absolument. Donc, il faut le trouver ce code. Apparemment, Dr. Hein a été enlevé et emporté quelque part dans un endroit appelé l'Anaconda en colère. Trouvons cet endroit et essayons de récupérer son mot de passe pour entrer dans l'usine de clonage. Ressemble au non-serpent, vieux os. Oh, docteur peut être sous serpent de métal géant. D'accord, les serpents ne sont pas faits de métal, tu sais où c'est? Tu sais où, n'est-ce pas, Sitôt? Oui, Sitôt sait. C'est gros... quel mot... attraction. Attraction comme gros serpent. Sitôt la voit depuis partout. Très gros, très serpenteux. Derrière Zo, homme docteur peut être là-bas. Anaconda, courir après la lune, beau travail. Bah, beau boulot, Sitôt. Même pas peur. Je savais que ce serait utile. Sitôt aide. Sitôt aime aider nouvel ami. Bah écoute, parfait. Elle est au serpent de métal géant. Apparemment, ah c'est ce truc, je pense. Ouais, le serpent, ça va être ça. Ça va être le gros manège juste ici. La question, c'est de savoir comment on y rentre. Je suppose que ce sera par là. Une entrée toute basique, en tout cas par là, que dalle. Comment je vais faire rentrer là-dedans? 38 mètres, 80, enfin 80 mètres, je veux dire. C'est à mon avis, il y a une entrée par là. Parce que l'indicateur, il dit quoi? Vous êtes ici, ok, ouais. Voilà. Le manège.
J'ai juste peur que j'entende spawner. Il est où? Viens par là, mon petit. À deux de cacher. Oh, salut toi! Ferrogator! Mais non, c'est gentil, Ferrogator, regarde. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est super sympathique. Du coup, ici, absent personne. Ah, du coup, il s'est enfermé là-dedans, je pense. Du coup, les monstres. Hein. Enfin, les monstres. Parce qu'on prend le zoo. Enfin, les animaux étaient mis là-dedans. Par contre, pour sortir de là, c'est-à-dire par là, oh, ça passe. Allez au serpent de métal géant. Cherchez autour du serpent de métal géant pour le mot de passe de Dr. Hein. Donc, a priori, on aura réussi à le trouver par là. Ce que j'aime pas, par contre, c'est l'anaconda en colère. Est-ce que je dois lui péter sa gueule? Si elle aurait Dieu nickel ordre perdu. D'accord, on s'en fout, c'est pas grave ça. C'est pas très très grave. Par contre, ça, c'est déjà beaucoup plus grave. Attends, ah, mais c'est combien en face? T'es sérieux? T'as toute une famille entière, arrête de bouger. Ouf, la petite tête qui passe bien, il y en a encore un autre là, j'ai vu. You. Où est-ce qu'il me contourne? Wow, mais ils sont combien, t'es sérieux? Non, il est gentil lui. Pardon, je vais pas te faire mal, le gorille. Je vais pas te faire mal, t'inquiète pas. Je suis un gars sympa comme ça. Voilà, parfait. Bon, ils se font un petit peu défoncer par contre. C'est un peu violent, les pauvres. Ils ont juste aucune chance. C'est tout? Je suis presque tristouné. Je m'attendais quand même à pire que ça. Bon, mon bordel a été placé chez mon pote. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? C'est que je prends toutes les viandes, mais ça commence à peser un peu lourd tout ça. Ok, c'est juste ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique petit truc qu'on récupère, réacteur à fusion. Merci. Genre la chose qui peut être utile, je me fais irradier la gueule, mais on s'en fout de son con, j'en suis. Tu ouvres comment? Déverrouillé, bah pas de soucis. Ah, du coup, je pense que ouais, scientifique, c'est bien ça. Du coup, le clé, mot de passe, parfait. Le mot de passe, le reste, on s'en fout. Est-ce qu'il y aurait 2-3 petits munitions, genre de choses, casse de mineur, non, on s'en fout. Je me fais irradier comme d'hab, mais de nouveau, ça n'a pas d'importance. Je peux pas savoir ce qu'ils ont fait là-dedans. Donc, c'est à ce point irradié à l'intérieur. Ça me paraît un peu bizarre. Ah, oui, c'est là que c'est irradié, c'est à cause de ces tonneaux. Bon, bah écoutez, du coup, on a fait ce qu'il fallait. C'était limite trop facile. Est-ce qu'il y a autre chose par là? J'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement, on voit qu'il n'y a pas de choses là, mais on se contre fou. Quoi. Ça n'a aucune importance. Hein. Je pense que c'est quand ils ont construit tout le parc, c'est un peu tout ce qui reste de la construction. Je regarde s'il y a des trucs intéressants, mais j'ai pas l'impression. Des ciseaux, waouh! On est riche! On a des ciseaux, les amis! On est sauvés. Si y a une carotte perdue, mais non, t'inquiète pas, on y retourne. Par contre, pour y retourner, la question qui tue. Oh non, t'es sûr, pas une tempête maintenant? Oh là là, une tempête de la mort! Bon, c'est par ici pour y retourner. Effectivement, le gros trou, quoi. On peut retourner directement. Waouh, ça passe tranquille. On se calme, tout va bien. Si on peut vite rentrer dans la zone là-bas, parce que c'est pas que c'est irradié, mais c'est tout comme. Et le problème, c'est qu'on va se faire péter la gueule. Hein, parce que là, il y a la tempête qui se lève. Hein. Du coup, le Welcome Center, on y retourne. Et cette fois, on a le mot de passe pour descendre. Est-ce que le mot de passe fonctionne? On va voir ça tout de suite. Est-ce que je peux? Il doit y avoir terminal pas loin. Alors, terminal ici. Normalement, j'ai le mot de passe. Et avec le mot de passe, on est censé faire ce qu'il faut. Demande de rançon, déverrouiller la porte vers l'usine de réplication Nuka. C'est un peu flippant quand même. Parce qu'à mon avis, ça pue ce qu'on va trouver dedans. Je dis ça, je dis rien. Mais clairement, ça sent le monstre. Tiens, des clopes. Tu m'étonnes, vu la complexité pour venir ici, je veux bien croire que tu n'y sois jamais allé. C'est normal, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon petit. Je me suis un petit peu beaucoup irradié la gueule. Tiens, d'ailleurs, t'as pas te baisser. Voilà. Tiens, pas bouger. Fais plus de dégâts quand t'es de façon silencieuse. Quand tu surprends l'adversaire, je veux dire. Il y en a plein, j'entends plein de bruits bizarres. J'entends plein de bruits. C'est eux? C'est quoi ça? Ok, c'est le gorille. Le gorille, c'est gentil. On aime bien ça. Je récupère quand même ça au passage, y'a pas de raison. De tout piller tel les gros enfoirés. Qu'est-ce qu'on a? Oh, attends. Ah, ouais. C'est intéressant. Document technique. Terminal, est-ce qu'on apprend des choses intéressantes peut-être? À mon avis, oui. Entrée journal. Erreur inattendue. Mes tentatives de créer un ferrogateur continuent. J'ai mélangé le bon échantillon. Ok, bon, ça va pas. Je vais revérifier la séquence ADN. Donc ça ne marchait pas correctement. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Zut, j'ai raté. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dit? Entrée du journal, cela fait maintenant des décennies et ma métamorphose continue, mon corps change, il s'adapte aux radiations. Au lieu d'assister à la mort de mes organes et de mon décès progressif, mon corps réagit et se bat, ma peau s'est flétrie et fortement bridée. Ok, il se transforme en ghoul. Il s'est transformé en ghoul, je suppose, en tout cas. Ça me paraîtrait plutôt logique. Porte. Ok, personne. Je m'attends à tout. Je crois que j'ouvre une porte, je m'attends vraiment au pire. Donc, théoriquement, il s'est transformé en ghoul. S'il a survécu, puis il a modifié comme ça. Ça me paraîtrait plutôt normal. On n'a pas des indicateurs justement. Qu'est-ce qu'on attaque? Je prends. On pourrait les lire journal 47, 53. Bah, déjà le 57, jouer. Fais-moi péter ça. Enfin, c'est des choses intéressantes peut-être. Donc, je récupère tout ça. McDermott, dernier survivant connu de l'usine de réplication de l'aventure Safari. Je poursuis mes enregistrements personnels. Cela fait. Mince.
crois que j'ai arrêté de compter les mois. Ou les années, peut-être. Même avec l'équipement scientifique à ma disposition, il est clair que je ne reviendrai pas à la normale. Les radiations des bombes ont laissé des séquelles sur mon corps, tordant et déformant mon apparence. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, j'ai accueilli le changement, et je l'ai utilisé comme base pour mes nouvelles recherches de clonage. Peut-être que cette malédiction était en réalité une bénédiction. J'aimerais juste que le Dr. Hein soit là pour me guider. Je me sens perdu sans lui. Bon, ok. Juste le temps de balancer un peu de la merde, parce que je peux plus me déplacer. Attends, est-ce que je pourrais faire ça? Activer, tiens. Non, c'est absolument rien. Où est-ce que je peux balancer ma merde? Comme ça, je me trie un peu tout ça. Voilà, je fais un peu de place, que les pattes de Furugator, là, ça pèse super lourd. Et l'autre, alors? Jouer? Je pense qu'il pète un plomb. Ici, le Docteur Darren McDermott. Dernier survivant connu de l'usine de réplication de l'aventure Safari. Je poursuis mes enregistrements personnels. J'ai continué à modifier le réplicateur Nukagen pour fournir de la nourriture. Quelle ironie. L'appareil que Nuka World utilisait pour créer des animaux de loisirs soit devenu indispensable à ma survie. En utilisant un échantillon de tissu de vache, j'ai réussi à réaliser un clone viable, à le consommer comme nourriture, et à utiliser le tissu restant pour en créer un autre. Je suppose que tant que le réplicateur Nukagen continuera de fonctionner, j'aurai une source intarissable de nourriture. Le Dr. Hein serait fier de moi. Ah, c'est pour ça, il se nourrissait avec. Ça fait si longtemps que j'ai presque oublié à quoi il ressemblait. Mon Dieu, ça fait des décennies maintenant. Peut-être même un siècle ou plus. Vraiment. Ça fait si longtemps. Je continuerai l'enregistrement plus tard. Bon, du coup, on sait un peu plus. Apparemment, c'est pour se nourrir qu'il faisait ça. Ce qui peut pas être plutôt logique. Même si finalement, c'était un petit peu hardcore quand même. Par ici, hein. Oh, j'adore ça. je sais pas quoi c'est. Je pense que c'est juste pour avoir du papier qui fait du tissu a priori. Quoi. Parce que je vois pas trop ce que je peux en faire d'autre. Mais bon, je prends, on ne sait jamais. Parce qu'il y a plein de choses par ici. Il y a plein de choses. Petite bouteille radioactive, je prends également. Oh, j'adore ces bouts de trucs que tu ouvres à chaque fois. Je sais même ce qu'il y aura dedans, mais c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Terminal. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux activer quelque chose? Comment la distance de la porte? Interface, déverrouiller la porte. À mon avis, c'est peut-être pas la meilleure idée. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu. C'était une bonne idée d'ouvrir directement comme ça. D'accord. Et quelle porte s'ouvre? Ça? Trappe? Ok. Je pense que c'est la sortie a priori. Donc on va peut-être attendre. Toi, aller voir ce qui se passe par là. Est-ce que je me fais irradier la gueule? J'ai même pas fait gaffe. J'espère pas trop. Bon bah écoute, activation. J'ai le mot de passe, tout ce qu'il faut. Par contre, j'aurais pu. Attends, sortir. Peut-être lire avant ça, par sécurité, jouer. On ne sait jamais. Si jamais ça part en cacahuète, au moins qu'on sache. Docteur Darren McDermott, dernier survivant connu de l'usine de réplication de l'aventure Safari. Je poursuis mes enregistrements personnels. Je me suis aventuré dehors aujourd'hui. Et j'ai failli être repéré par un groupe de récupérateurs qui avait réussi à entrer dans l'aventure Safari. Par conséquent, même si je sais que c'est une mauvaise idée, je vais essayer d'assembler quelques-uns des échantillons les plus dangereux qu'il me reste. Je dois utiliser le réplicateur Nukagen pour créer un spécimen redoutable, mais apprivoisable. Super, l'idée de merde, quoi. Quelque chose qui pourra me protéger, mais surtout, protéger cette usine. Travailler avec la chimie et les mathématiques des données sera long. Mais je suis sûr que je peux créer un spécimen viable d'ici quelques années. Je sais que le Dr. Hein se serait opposé à cette action. Mais il n'est pas là. Et je ne peux pas laisser cet équipement tomber entre de mauvaises mains. Bon, bah écoutez, du coup, on pourra désactiver tout ça. C'est un peu flippant. Désactiver. Voilà, du coup, c'est bon. C'est la commande. Nettoyer l'aventure Safari des ferroviateurs restants 11 sur 21. Bah, parfait, du coup, il n'y en aura plus après. C'est le dernier qui reste. Waouh. Salut vous! Comment ça va la vie? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ne bougez pas trop, la petite grenade en plus qui va leur péter la gueule. Qui va faire le taf. Enfin, oh, j'ai lu la grenade. Ah, je trouve que c'est une grenade intelligente. Non, c'est une grenade qui glace. Excellent, c'est quoi ce truc? Je sais, en tout cas, c'est la classe. Viande, j'en prends un petit peu. Bah bon, le temps, c'est que ça pèse trop lourd, quoi. Ça pèse beaucoup trop lourd. C'est bon, on peut partir? Écoute, allez bien avec nous, on a la porte qui est ouverte. Salut petit. Petite voiture, non, on s'en fout. Go, go, go! On va leur péter la gueule, ces enfoirés. Nuka World.
Bon, je me fais radier la gueule parce que j'étais en l'eau, ça c'est pas très grave. Ah, du coup, on ressort là-dessous, ok, juste là. Comment je peux voir de là? Parce que c'est pas que c'est un peu vachement irradié, mais quand même. Mais quand même, allez vite. Vite par là. Allez, sors. Sors, crétin. Waouh, c'est bon. Ouf, il m'a fait flipper. Il m'a fait un peu flipper, le monsieur. Je récupère au passage ça, donc il en reste encore quelques-uns à défoncer. Faut juste que je les trouve et je leur pète la gueule, méchamment. Je pense qu'il faut juste se promener tranquillement. Je suppose qu'en se promenant un petit peu comme ça, on va les trouver. Ils vont nous attaquer. Est-ce qu'il y a un indicateur? Oh, salut toi. Sont les derniers. Après, ils nous foutront la paire. Voilà, tu vois. 14 sur 21. Viande. Un peu flippant en l'eau quand même. Moi, j'y vais en plus. Hein. Tel le touriste, j'y vais. Pas d'indicateur visuel pour dire où ils sont. Faut vraiment te promener et puis croiser les doigts. D'ailleurs, j'ai presque envie de sortir le flingue plutôt autant. Inventaire. Au niveau des armes, plutôt que truc totalement cheaté. Parce que c'est vrai que l'autre arme est quand même un petit peu trop violente. Est-ce qu'on pourrait avoir le petit flingue, c'est lequel? Mine impulsion. Ah, celui-ci. Le revolver de Western. Il fait peu de dégâts, on aura un vrai combat. Que 6 balles en plus. Autant vous dire, je vais me faire défoncer avec. Allez, un petit sauvegarde par sécurité. Pourquoi j'ai une indication de rentrer là-dedans? Attends, non. Habitat des reptiles. Ah, je pense que c'est du coup là-dedans. On va voir ça tout de suite. Habitat des reptiles. Ce qu'il y a du monde. À mon avis, on va se faire péter la gueule. Le revolver, ça me paraît un peu dangereux. Je dis ça, je dis rien. Bon, au pire, s'ils m'ont pas vu. Boum. Ah, d'accord, ça fait absolument que dalle. Et quand je dis que dalle, c'est. Comme quoi, mon autre flingue est totalement abusé. Parce que regarde là, je lui fais mais rien. Heureusement, il faut le temps qu'il arrive. Ah, mais laisse tomber. Non, attends, sans un vrai flingue, je vais mourir. Là, je vais mourir, c'est pas drôle. Voilà, celui-ci fait mal. Oh, celui-ci, c'est abusé, quoi. T'as la différence entre le flingue et celui-ci? C'est de la pure folie. Un peu de viande. C'est de la pure folie, le flingue, il fait que dalle. Par contre, est-ce que t'as des potes qui traîneraient par là? Je pense que c'est des vivarium là-dedans. Des trucs bien flippants. Est-ce que c'est tout? Tout ça pour ça? Ou est-ce encore des potes? Parce que bon, s'il y en a avec un. Ah, mais vous servez à rien, comment vous dire? Il y a un moment, faut accepter. Il faut accepter que vous avez aucune utilité. Je prends la viande pour la prendre, mais clairement, là, j'ai pas trop intérêt. Du nuka. Ok, je vois qu'il y a un bruit, ça me fait bien flipper. Termine de visite guidée. À quoi ça sert? Montre-moi ça. Est-ce qu'on peut activer quelque chose? Procédure d'urgence. Rappel pour reptiles. Raison de récents problèmes de sécurité impliquant le groupe AFA-ID. Veuillez ne plus autoriser des visiteurs à manipuler les spécimens qui étaient retirés de son vivarium. D'accord, on s'en contrefou en fait. Comment t'expliquer que c'est pas vraiment un truc. Puis là c'est fermé, on est d'accord. Donc de ce côté, plus rien. Absolument plus rien, on remonte. On va s'en trouver autre chose. Oh, j'ai pas fait gaffe! Les cobras avec la bouteille de Nuka en train de boire. Oh, c'est n'importe quoi! C'est du coup n'importe quoi. Par contre, la nuit est en train de tomber. Autant vous dire que ça devenait un petit peu flippant par là. Ça devenait un petit peu flippant. J'ai pas des masses confiance. Continuez de promener un petit peu, mais jetons pour du carcade. Ici, est-ce qu'on a récupéré. Ah, il y en a un qui est là. Est-ce qu'on a récupéré la médaille? Il me semble pas. Est-ce qu'il y aurait une médaille dans le parc? Oui, il y a tout le temps une médaille. Donc le truc, c'est de réussir à trouver aussi la médaille. Où est-ce que logiquement il pourrait la poser? Toujours d'habitude où il y a soit vers les queues, où il y a les achats. C'est vrai qu'ici on n'a pas vraiment d'attraction. On va voir, il faudra que j'essaie de la trouver. Ah, j'ai un indicateur. Ah, mais c'est vrai, on a des indicateurs là, visuels, je suis bête. J'ai pas fait gaffe. Effectivement, il donne des indications où attaquer. Salut toi, comme miracle, fusible, je prends. Par contre, on se dépêche. Parce que le monsieur a pas l'air très content. Où vas-tu? Juste là, attends, derrière. Est-ce qu'on fait les fous, on saute par-dessus? Ouh, pas mal là. Salut! Attends, est-ce qu'on peut essayer à se faire comme ça en sautant? Ça pourrait être rigolo. Non, laisse tomber. On touchera jamais. Autant y aller à l'ancienne et ne pas avoir peur. Viens là, mon gars. Enfin, pas avoir peur. C'est un peu flippant quand même. Ça me fait un petit peu stresser en plus dans le noir. Il est où? Il est juste là. Allez, bouge pas. Bouge pas, flèche impossible. Ah, il se déplace à chaque fois pour éviter les balles. Plutôt malin. Yes, nouveau niveau. 49, ça monte tout ça. Ça monte même carrément. Mine de rien. Ah, peut-être par ici on peut réussir à trouver. Il serait une médaille, ça m'étonnerait pas. Vu la zone, quoique, même pas. C'est juste une petite arène. Enfin, arène, on se comprend. Pour les spectacles, non. Pas du Nuka-Cola qui traînerait. Enfin, non, plutôt du Nuka-Cola, on s'en fout. Distributeur totalement vide. Vient de folichon par là, ma foi. Enfin, apparemment, il y en aura un par ici. Viens là, mon petit. Allez, dans la queue. C'est pas grand chose. Allez, pas bouger. Sois un gentil petit ferrogator. Voilà, pas de problème. Pas de problème. Je cherche désespérément les médailles. Je fais tout le tour pour essayer de les trouver. Mais clairement, par ici, on peut pas rentrer par là, malheureusement. Clairement, j'ai pas réussi encore à trouver. J'ai réfléchi en fait par rapport à la logique, là où ils auraient pu le mettre. Mais bon, c'est pas de la folie, quoi. Rien par ici. Forcément, derrière, c'est sûr que non. Ah, il y a une grotte par là. Excellent.
Comment t'expliquer que j'ai pas les... T'es gentil ou pas? Non, t'es pas très gentil, mais t'es vraiment pas résistant, donc pas de soucis. Petite entrée par là, bah écoute, on y va. Fin. Par contre, ça j'aime moyennement. Bon, ça a son l'air mais tellement abusé. Wow, attendez, lui, c'est le plus méchant. Attends, fais mal un peu à tout le monde. Comme ça, après on les termine. Voilà, même pas besoin de viser. Vous êtes morts comme des gros caca. Plus que deux, fin. On récupère au passage la petite viande, qui est toujours utile. On peut rentrer dedans ou pas? Porte de cage fermée. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Une petite boîte, je prends, on ne sait jamais. D'accord, moi, t'as sans richesse ajoutée, on s'en contrefou, ça ne sert à rien. Il y a du terminal. Où est-ce qu'on va arriver en fait? C'est la question. Terminal de maintenance, si on était tout à l'heure. Non, c'est pas ça. On n'a pas été par ici. Oh, les poissons, ouais, c'est forcément cette piscine qui donne à la bouffe. Steampack, je prends. Et du coup, on ressort direct. Ah, c'est vraiment pour leur donner à manger en fait ici. Bon, apparemment, les deux derniers sont par ici, on va vite les finir. Toi, tu dégages. Et le dernier, juste en face. Si tout se passe bien, il est juste en face. Quoique, il est pas ici. Cabane de Capi. Ah, nouvelle zone. Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup les médaillons par ici? Moi, c'est qu'il fait nuit. Et la nuit, c'est la merde pour voir quelque chose. Faut chercher des boîtes rouges. Je sais pas si les poubelles ressemblent aussi beaucoup. Hein. Donc, t'es jamais vraiment sûr. Non, ici, que dalle. Et le dernier vient donc par là. Mon petit, viens me faire un câlin. J'ai pas peur. Ah, ok, le labyrinthe, excellent. Oh, petit labyrinthe. C'est ouf. Salut! Comment ça va? Ferrogator, fous-moi la paix! Et c'est le dernier. Yes, réussi. En plus, le petit headshot de la tête qui passe bien. Donc, il faut de Sito et de sa famille. Bah écoute, avec plaisir, Sito. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si vous m'indiquiez justement les médaillons, je te serais très reconnaissant, à vrai dire. C'est le genre de truc qui m'a fait plaisir. Oh! Genre, on peut monter? Oh, c'est classe ça! Oh, c'est tout là-bas, tu découvres. A mon avis, le médaillon sera là-haut. Ce qui paraîtrait plus logique en tout cas. Et ça sera en plus super classe. T'es gentil ou pas, toi? Hey, bot, piraté, vas-y. À quoi tu sers, petit? Est-ce que je sais plus parler. Est-ce que tu sers quelque chose? Désactiver, commander, influencer. Est-ce qu'on peut lui dire quelque chose? Une invitation. Il veut quelque chose ou pas? Piratage, commander. Je pense que c'est absolument rien. Lancement, piratage, ok, choisir une option d'activité, commander, influencer. Bon, allez, désactivation, on s'en fout, ça sert à que dalle. Je peux te parler ou pas? Non, je sais pas à quoi tu sers en fait. Je n'ai aucune idée, scotch, vas-y. Est-ce que par contre, du coup, les médailles sont ici? Oui, elles sont bien là! Yes, médaille cabane à jouf. T'as bien récupéré la médaille du parc dans la cabane. Ça, c'est fait, les amis, on a réussi. C'était bien ça. On a les fameux Nuka, mixeur, Nuka mixeur, ok. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer par là? Je pense que c'est bon a priori. Bon, quelques Nuka-Cola. On prend, on n'est pas contre. Un peu d'argent sûrement, ouais. Oh, il y a plein de scotch. Soyons fous des bons gros packs de scotch. Les tickets. Les tickets, ils font autant marrer. Donc on les prend. Il n'y a pas de raison. Attends, je suis coincé. Est-ce que c'est bon? Du coup, on a vraiment ce qu'il faut là. Lance-missile, bah écoute. Je prends. Quoique, j'ai trop de choses. Non, j'ai clairement trop de choses. Vas-y, laisse le lance-missile là. Parce que le problème, c'est que ça pèse 3 tonnes le lance-missile. Et nous, on a plus trop de place là. Assiette, ticket, on s'en fout, sérieux, on a vraiment plus besoin de ça. Est-ce que pour sortir, je peux faire le saut de l'amour ou est-ce qu'on reprend le truc? A mon avis, on reprend le truc, ça me paraît quand même un peu dangereux là. Le saut de l'amour, on va se péter une jambe et c'est pas le but. Du coup, je peux m'occuper du gars avec sa famille. Après, j'ai un indicateur, j'ai 3 indicateurs. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Leur parler, je pense. Et pourquoi 3? C'est ça la vraie question en fait. Est-ce que je peux passer au-dessus? Non. Attends, il faut que je vous retrouve. Il faut que je vous retrouve parce qu'ils sont un peu restés au milieu comme des cons. Attends, 11 mètres juste là. Je peux parler au singe. Salut petit singe. Je peux te parler ou pas? C'est toi. Nouvel ami fini? Plus de monstres? Alors ton avis, seulement votre famille, ta famille est en sécurité. Et il ne devrait pas revenir. Ta famille est en sécurité, Sito. Sito très content. Comment Sito remercie nouvel ami? Partager le parc avec mes amis. Les amis à moi arrivent. Mais si tu la joues cool, on peut s'entendre. Tu penses pouvoir faire ça? Sito fait confiance. Sito aime plus de nouveaux amis. Avant que tu partes, prends nouvel ami. Mieux que chose brillante que Sito garde. Sito veut donner. Merci, nouvel ami. Sito se souvient de toi toujours. Bah parfait, écoute, on a réussi. Cogneur brillant de Sito, le coup critique remplit vos points d'action. Oh, pas mal ça. Dégâts 187. Ah oui, quand même. C'est clairement pas dégueulasse, je prends... Je te remercie Sito, du coup tu as partagé le parc avec mes potes, ce qui m'arrange fortement, ça m'a pas embêté autrement. Du coup 46 mètres par là, je pense que c'est du coup activer le drapeau, faut juste que je puisse ressortir de là. Et là par contre je vais me galérer, là je vais clairement me galérer, au pire je peux me téléporter.
Attends, comment on va faire ça? Oh, t'es sérieux? Je suis paumé dans le parc. Au secours! Ouais, sitôt c'est bien, mais sitôt c'est où la sortie? Attends, je pense qu'il va vers la sortie, lui, logiquement. Non mais foutez-moi la paix, quoi! J'ai quelque chose à faire! Que vous défoncez la tête! Non mais, t'es compris ou quoi? T'inquiète pas, voilà, c'est bon. On va péter la gueule. Ça sent le cul de... Ouais, exactement. En plus, il fout de ma gueule, avec le petit déco. Est-ce que je me téléporte? Parce que ça m'a l'air un petit peu la merde, là. Attends, sitôt t'es ouf. Parce que je suis sûr que tu vas vers la sortie, toi. Ouais, donc par ici, après... Oui, c'est bien ça. On a trouvé. On l'a trouvé, nous c'est 22 mètres par là, ouais c'était juste là-haut, fort. Je crois que je peux aller par là. C'est pas au-dessus justement, ouais c'est bien ça. C'est juste au-dessus de l'autre côté, il y avait des petits escaliers. Alors on va voir du coup à qui on peut défiler. C'est ça la vraie question en fait. Attends, comment je vais faire? Vous pouvez monter là? Eh vas-y, passe, ça passe. Je sauvegarde pas sécurité. Alors du coup on pourra activer le drapeau. Alors est-ce que je peux remettre de nouveau les mêmes qu'avant? Ah je peux, les opérateurs du coup je pourrais remettre de nouveau ici, comme ça ça ferait peut-être encore plus de capsules, je ne sais pas, mais franchement j'ai vraiment envie de se la jouer fric. On va faire le gars qui veut plein de fric, on va voir. Terminé affecté un gang à l'aventure safari, c'est fait. Yes, aventure safari terminée. Du coup au niveau mission on est ouf. Ah voilà, aventure safari. Et du coup le gang doit être plutôt content. Est-ce que je peux récupérer ma justement ce qu'ils me doivent? Mon rétribut, enfin mon tribut plutôt. Enfin, voyons voir ça. Statut donné, quête, système stellaire, grande visite. Chasse est ouverte, ce que j'ai. Une copie, médaille précieuse. Non, j'ai pas. Comme tout à l'heure, j'avais une indication où je devais récupérer le fric. Là, j'ai pas l'impression. C'est pas grave. Merci. Ouais, j'ai rien personne. Il se promène, c'est tout. Non, c'est mon pote. Bon, bah écoutez, mission réussie. J'ai envie de dire, je vais aller à la base et puis on voit un petit peu ce qu'il y en est. Ah voilà, récupérer la part de votre gang à l'aventure. Et du coup, je vais me re-téléporter là-bas, je pense. Du coup, je pose ma merde ici, et on est bon. Attention. Du coup, je suis de retour dans le parc, et théoriquement, je vais pouvoir récupérer mon tribut, justement. Mes petits capsules et tout ce qu'il faut. Faut bien remercier de leur filer ça. Allez, vas-y, saute. Saute, je sais que tu peux le faire. Tu te bourrines par derrière. Salut tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous m'avez filé? Capsules, cartouches. Bah écoute, parfait. Allez, on prend tout. Ils sont très très bien ces gens ici. Ils sont respectueux, ils m'ont fait tout ce qu'il fallait. Le sniper absolument parfait. C'est les 10 d'accord. Allez, d'accord. En cas d'urgence, de l'antivenin est disponible à la sortie. Ils font un peu peur. Et Lydie, elle est où justement? J'ai même lui parler quand même. Welcome Center, est-ce qu'elle est dedans? J'ai pas l'impression. Parce que c'était un petit joueur. Moi j'ai besoin qu'un seul gang, encore je vous défoncerai la gueule plus tard, on verra. Dans tous les cas, du coup, on a fait tout ce qu'il fallait. Écoutez, on a libéré le parc, petit à petit ça avance, tout ça. Je pense, du coup, prochaine vidéo, on partira sûrement là-bas. Il y a l'usine de mise en bouteille, ou alors directement l'autre zone du parc. Ah, peut-être plutôt le royaume des petits. Ce qui reste quoi? Il reste du coup plutôt le royaume des petits et l'usine, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est ça. Je regarde, ouais, a priori, ça serait ça. Après, il y a encore un truc là-bas. Donc, je pense qu'on fera plutôt peut-être le royaume, il sera terminé une fois pour toutes les différentes zones. Et après, on pourra faire l'usine, une chose après l'autre. Ça m'a l'air pas trop mal. Bah, parfait, les amis. Bah, du coup, on va se laisser là. Attends, je change mon arme. Ah, ce petit feu et tout, c'est la classe. Voilà, comme ça. Parfait. Du coup, on se laisse là. Pensez à laisser plein de petits pouces bleus. On se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!